5 décembre 1989. Nous sommes à Longwy. La police judiciaire enquête sur une énorme escroquerie financière. Un notaire qui exerçait sur Longwy est interpellé par la section financière de la police judiciaire. Ce notaire s'appelle Arnaud Thomas Chevalier. Il est accusé de malversation financière par son ex-maîtresse, Béatrice Thierry. Une jeune femme de 30 ans qui vient de déposer plainte pour vol. Pour l'ex-maîtresse du notaire, l'escroquerie a commencé en avril 1989. La jeune femme reçoit alors un coup de téléphone anonyme. Le message du corbeau est clair. Béatrice Thierry n'est plus propriétaire de ses immeubles. Inquiète, la jeune femme va vérifier au bureau des hypothèques. Et là, elle découvre un faux acte de vente, au terme duquel elle aurait vendu et sa maison d'habitation et l'immeuble qu'elle a acheté avec Thomas Chevalier, elle lui aurait cédé pour 310 000 francs. Or, elle n'a jamais touché cette somme, elle n'a jamais rien vendu. Elle est horrifiée, elle ne comprend pas. Pour la jeune femme, aucun doute possible. Son ex-amant est un escroc. Elle décide alors d'alerter la justice. Avec une certaine inquiétude tout de même, car son ancien compagnon, maître Arnaud Thomas Chevalier, est très influent dans la région. En effet, l'homme a de nombreuses relations dans le milieu judiciaire. C'est la bourgeoisie locale. Son père a été bâtonnier. Son oncle est professeur de droit, titulaire de chaire. Et il est surtout l'époux d'une magistrate qui, à cette époque-là, est procureur de la République à Bourges. Arnaud Thomas Chevalier est tellement influent dans la région qu'il ne tarde pas à apprendre que la police enquête sur lui suite à la plainte de sa maîtresse. D'ailleurs, le notaire va devancer sa convocation à la police et va appeler le commissaire en charge de l'enquête. Lorsqu'il demande à me parler, ça signifie qu'il est parfaitement renseigné sur l'enquêteur qui a le dossier en compte. Il est au courant de tout. Le 5 décembre 1989 à 17h30, le notaire se rend au commissariat de Longwy pour y être entendu. Et il est totalement sûr de lui. Son arrivée au commissariat de Longwy est assez surréaliste. Il y a un côté incontestablement star. Thomas Chevalier arrive avec une assurance qui, moi, m'a complètement sidéré. Le suspect n'est pas angoissé. Il balaie même d'un revers de la main toutes les accusations portées contre lui. Tout ce qui a été prétendu, invoqué par Mme Thierry est faux. Si Mme Thierry porte plainte contre moi, c'est uniquement, mais uniquement par jalousie. Bien sûr, elle a dit « tu me quittes, je t'aurai ». Ça a été sa dernière phrase pratiquement. Le notaire se sent au-dessus des lois, à tort. Car les policiers, en examinant la comptabilité de l'étude, ont découvert des transferts de fonds illégaux. Mais pour maître Arnaud Thomas Chevalier, ce ne sont là que des broutilles. J'avais pensé que le seul risque que je prenais, c'était une bonne amende, remettre l'argent, etc., ce qui était possible. Puis c'était tout. C'est pas fraude fiscale, je mettais de l'argent, tout était pas dans la bonne caisse, on ne va pas en faire un fromage, c'est quelque chose de banal. Et si le notaire est aussi à l'aise et désinvolte, c'est parce qu'il aurait, dit-il, passé un accord secret avec le procureur de la République en charge de l'enquête. Discussion avec le procureur, maître, ou bien vous démissionnez, là, et il n'y aura pas de poursuite pénale, ou bien vous restez, et là... Un accord formellement démenti par le procureur de l'époque que nous avons contacté. Mais Arnaud Thomas Chevalier affirme qu'il aurait respecté sa part de ce soi-disant marché en quittant ses fonctions. Seulement voilà. Après avoir démissionné, Arnaud Thomas Chevalier continue malgré tout à commettre de nombreuses escroqueries. L'homme va donc être mis en garde à vue, afin de s'expliquer. Arnaud Thomas Chevalier ne comprend pas. De toute évidence, les policiers n'ont pas été prévenus de l'accord que le notaire aurait soi-disant passé avec le procureur. Là, il a compris qu'il y a une
une partie beaucoup plus difficile qui est en train de se jouer à son détriment. Loin de la figure du notable respecté, les enquêteurs découvrent l'autre visage de Maître Chevalier, celui d'un délinquant financier de haut vol. Il y a toute la panoplie du notaire escroc, qui va de l'abus de blanc-seing à la captation de d'héritage, faux testament, trafic d'actes, des vols, des détournements de fonds, etc., etc. Il y a toute la gamme des malversations et des fraudes possibles. Le 7 décembre 1989, c'est la fin de la garde à vue de celui qui désormais apparaît comme un vulgaire escroc. Ce jour-là, l'ancien notaire est conduit au palais de justice de Briey. Il est présenté à un juge d'instruction qui l'inculpe de toute une série de délits financiers, d'abus de confiance, de faux en écriture privée et publique. L'ex-notaire a perdu de sa superbe. Il va partir en prison.